Good morning, allez, Idan et sur aujourd'hui le Nishmat, Machlouf, Micha ben Masouda, Nachman Yosef ben Nachman, Nachman Yosef ben Nachum, Avram Chaynor ben Fortune Mazal, Dov ben Yehudit et Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Amid, Perik Aleph, Mishnah Gimel. Natal et Hamafteach, ou Fatach et Apishte, ou Patach et Apishpesh. Venichnas, mi bet Hamoked la Azara. Venichnesu Acharav, ou Shte Avukot, Shel Ur be Yadam. ונחלקו לשתי כיתות. אלו אוכלים באכסדרה דרך המזרח, ואלו הולכים באכסדרה דרך המערב. היו בודקים והולכים עד שמגיעים למקום עושה חביתים. הגיעו אלו ואלו, אמרו שלום, הכל שלום. העמידו עושה חביתים לעשות חביתים. הוא קוטינו לדרולמן. Du lever des Kohanim au Beth Amikdash. Dans la mission précédente, on a appris qu'il y avait le Memouné, le responsable, qui venait, qui tapait à la porte du Beth Amoked, où là-bas les Kohanim se reposaient. Il y en avait qui montaient la garde au-dessus, il y en avait d'autres qui dormaient à l'intérieur, qui dormaient au sol, qui dormaient sur les pierres qui étaient entreposées. À propos, j'avais voulu dire dans la brochure que vous avez reçue par PDF. Alors, vous avez, ben, dans la première page, vraiment, la deuxième page, on va dire plutôt, ça on va appeler. Ouais, on va adopter, ça c'est la première page, donc ça en troisième page, en page 3, chez moi c'est numéroté en 3, mais je crois que dans le PDF que vous avez reçu, il n'y a pas de numérotation, il n'y a pas de pagination. Mais c'est pas grave, vous avez ici ce dessin-là, vous pourrez voir, c'est la vue de haut du Beth Amoked, où on a enlevé le toit, et vous avez ici les pierres où les Kohanim se reposaient, enfin regardez dans votre brochure. Pour ce qui m'intéresse en tout cas, on avait les Kohanim qui dormaient là-bas, on a eu le Memouné qui est parti, qui a tapé à la porte, pour enfin entrer, commencer à maintenant inviter les Kohanim à tirer au sort celui qui allait mériter de faire la tombe à ta déchaîne, ça c'est la mission précédente. Et puis maintenant, Natal et Amafteach, il prenait les clés. Les clés, elles étaient posées, on apprendra dans Maserhet Midot, ou précisément dans le Beth Amoged, elles étaient posées, il y avait une table là-bas avec un crochet, les clés étaient posées là-bas, il prenait les clés, ou Patach et Apishpesh, ou Pishpash, c'est écrit ici, il ouvrait le Pishpash. Le Pishpash, c'est une porte à l'intérieur d'une porte. Vous avez déjà vu dans les grands portails, ça se trouve vraiment dans les vieilles synagogues et autre chose, mais on se contentera des belles synagogues, où il y a des grands portails en bois, des grandes portes en bois, et il y a sur le petit côté là-bas une petite porte à l'intérieur de la porte. Ça s'appelle un pichepèche. Et ici spécifique en tout cas. De nouveau, dans le même dessin, en page 3, vous allez le voir, on vous l'indique, il y a marqué pichepèche katane. C'est une petite porte à l'intérieur de la grande porte. Et donc, il ouvrait le piche-pêche, et comme ça, Vinichnas mi bet amoked la Hazara. Et comme ça, il entrait depuis le bet amoked, là, cette pièce-là où il faisait chaud, il y avait un feu qui brûlait pour pouvoir réchauffer un petit peu les Kohanim, il entrait de là-bas dans la Hazara avec un groupe, bien sûr, Vinichnesu Acharav, et d'autres Kohanim, d'autres groupes de Kohanim arrivaient derrière lui, ou jeté avukot shel ur beyadam. Et ils avaient deux torches. Pour éclairer, puisqu'il faisait encore nuit pour le moment. On était encore vraiment à l'aube, et parfois un peu avant, parfois même un peu après. D'accord? Ensuite, donc on a le groupe des Kohanim qui sont entrés, deux groupes avec deux torches, et là ils vont se séparer en deux. Venechlekul ishtekitot, et ils se séparent en deux groupes. Elu olchin ba'achsadra derech yamin, derech hamizrach, velu olchin ba'achsadra derech hamarav. Achsadra. Arsadra, c'est des galeries, comme des arcades, mais arcades, c'est spécifiquement lorsqu'il y a une arche, comment dire, qu'un toit bombé. Là, en l'occurrence, il y avait, vous pouvez voir ça dans tous les dessins que vous avez reçus dans la brochure, dans plein de dessins que vous avez reçus dans la brochure, vous verrez qu'en fait, on n'avait pas tout autour de la Hazara, dans tous ces murs-là, il y avait une sorte de balcon qui était soutenu par des piliers. Et donc ça faisait en fait des arcades prolongées. On peut faire le tour de la Hazara sous ces arcades-là, sous ces galeries. D'accord? Et puis, et donc là, ils ouvraient, ils sortaient du Beth Amoked, ils se séparaient en deux groupes. Un groupe qui allait faire le tour par le, puisque là on est au nord, alors là on est au Maharav, on est à l'ouest, et là on est à l'est. Ils se séparent en deux groupes, un qui va vers l'ouest, un qui va vers l'est, ils font tous les deux le tour. Ce que la Mishnah m'enseigne donc. Elo, je recommence la phrase. Nechlekul ishtekitot, ils se séparent en deux groupes. Elo l'chin bar sadra,
Ceux-ci vont partir sous la galerie Derer Hamizrach et vont partir par l'est. Donc ils vont aller ici, ils vont aller sous l'arcade ici, ils vont longer. Tout ça c'est pour arriver ici, comme ce qu'on va voir dans quelques secondes. Mais l'Ulchin Bar Sadra et les autres font plutôt tout le tour. Dans sous l'Ar Sadra, sous donc cette galerie Derer Hamaharav, par l'ouest. Et ensuite ils font le tour. Qu'est-ce qu'ils font quand ils font le tour? Ils cherchaient, ils vérifiaient, et ils marchaient, jusqu'à qu'ils arrivent, les makom, l'imkom bet osé chavitin, jusqu'à qu'ils arrivent à l'endroit où on faisait les chavitin. On va expliquer dans quelques secondes c'est quoi les chavitin, mais d'abord on n'a pas précisé qu'est-ce qu'il fallait chercher. Il fallait chercher en réalité réunir tous les ustensiles du Beth Amikdash qui étaient éventuellement restés jetés par terre, enfin, depuis la veille. Qu'on n'avait pas ramassé, on n'avait pas fait de l'ordre. Donc maintenant, c'était le moment de partir ramasser tous les ustensiles de la Hazara, qui était donc toute l'enceinte du Beth Amikdash. Jusqu'à qu'ils arrivent au Makom Osé Chavitim. C'est quoi les Osé Chavitim? On va le m'enseigner plus dans la Mishnah, à la fin de la Mishnah. D'abord, ça se trouve ici, vous voyez, là, ici, dans votre dessin, vous pouvez voir de nouveau, c'est la page centrale, la double page, où on a ici, c'est l'entrée principale de la Hazara. Avec le Sha'ar Nicanor, on aura l'occasion d'expliquer qui était Nicanor, pourquoi il y a eu les portes du Beth Amikdash qui ont été appelées en son nom. Sha'ar Nicanor, il y avait aux côtés deux petites léchachot, deux petites cabines, cabinets, où une d'entre elles, c'était les Osé Chavitim, ceux qui faisaient les Chavitim. Les Chavitim, c'est une mincha spéciale que le Kohen Gadol devait offrir tous les jours. Pas que le Kohen Gadol, on apprenait dans Menachot en réalité que chaque Kohen, pour la première fois de sa vie, qui va entrer en fonction, plus le Kohen Gadol qui faisait tous les jours les Chavitin, c'était des pains qu'il fallait faire cuire de plusieurs manières, au four, les refaire bouillir. Bon, il y avait plusieurs manières de les faire cuire. Chavitin, on appelle ça au nom d'une Chavita, une omelette, parce qu'en fait c'est frit. Et donc là-bas, il y avait un endroit spécial où on faisait ces pains-là. Donc, on reprend. Les deux groupes de Kohanim, ils sont entrés par le Beth Hamoked. Il y en a qui ont fait le tour en passant par l'ouest. Et d'autres qui ont fait le tour en passant par l'est, ils ont eu un tour beaucoup plus court. Ils se donnent tous rendez-vous au Makom Shosim Osé Chavitin, à l'endroit Hachemagim le Makom Bet Osé Chavitin, jusqu'à qu'on arrive à l'endroit où on fait les Chavitim, les Chavite Kohen Gadol. Igiu Elu va Elu, une fois que ça y est, ils se sont rencontrés, alors quoi? Amrou, ils se disent Shalom, salut, Hakol Shalom, tout est parfait, tout est fixe. C'est-à-dire, on vérifiait que on a récupérer tous les ustensiles du Beth Amikdash, aucun n'a été chas v'shalom volé, aucun, tout est là, aucun n'a été cassé, tout est parfait, on les avait retrouvés tous. Et alors là, ils invitaient donc ceux qui vont faire ces chavités Kohen Gadol, cette mincha, cette oblation du Kohen Gadol, qui c'était tout un travail à faire, on les invitait à prendre place et à commencer à travailler. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Slachakoltouf, salam.